Bonjour, madame, monsieur, une voiture d'un nouvel épisode de Quand on se retrouve dans A Link to a Path, The Legend of Zelda A Link to the Path, lequel je suis pour la 16e épisode. Et nous sommes ainsi au donjon, lequel je n'avais pas. J'avais terminé juste avant, mais que je n'avais pas réussi à battre le boss final à cause que je manquais justement de stuff et de vie, surtout de vie. Donc, pendant le temps, entre les deux épisodes, j'ai été acheter des potions pour pas vous le taper tout le long. Donc, j'ai acheté 3 potions parce que j'ai 3 bouteilles. 2 potions bleues pour redonner de la vie et de la magie. Et des potions rouges pour redonner de la vie. Parce que je ne savais pas qu'on pouvait avoir une meilleure potion que celle-là. Donc, bref, ça va être. Avec ça, je pense qu'on va pouvoir se battre en passant. Ça se peut très bien. Il n'y a pas de misère à 3 contre. Ça, c'est une. Oh non. Je sais pas dire, on n'aurait pas de misère à te battre, surtout qu'on est déjà plein de vie. Mais bref, je suis pas intelligent le trois quarts du temps. Non, c'était une joke en fait, mais j'ai fait beaucoup d'erreurs, faut te dire. C'est bien normal dans la vie, tout le monde fait des erreurs. Mais non, que tu veux pas faire, mec. Lorsque vous entendez la main, mais je vous dis tout de suite, ne restez pas sur place. Conseil de survie. Et voilà. Donc bref, on pourrait te le faire tout de suite. Passer directement de l'autre côté. Mais des fois, il donne de la magie. Beaucoup de magie. Mort dans le trou, dans le trou, dans le... Non! Ok, on capote. Pas grave. Et voilà, t'as des magnifiques combos. Bon. Ici, voilà. Et moi, je pensais que ça l'aurait touché, mais non, bref. Ok, là, on y est. Oh non. On n'y est pas avec toi. On perd même trop de vie. Ça dit suite. Surtout, j'ai pas tué. Pas grave. Ça joue sur. Ça joue sur. Ok. Ça joue en fait sur à rien. Ça joue sur ma. Bref, on va. J'ai vraiment peur de mourir. On va vite de le taper une ou deux fois. Mais. Bah, je vous garantis. Une fois, c'est pas pire. Deux fois. Oh! Peut-être qu'on va le retirer là-bas. Juste à l'épée. Ok. Oh! Oh! Et voilà. Et c'est parti, mes amis. Pour justement un petit peu de magie. Hop. M'en fous un petit peu de me faire frapper. Mais quand même, faut pas exagérer. Surtout que nous n'avons pas de la vie. Ah, la fini, merde. Arrête de tenir dans un coin. Ça m'aiderait. Bien évidemment. Oh, waouh. Oh, non, mais t'es affreux, je vois. Oh, non, je suis mort. Hey, j'ai vraiment été chercheur, en fait, bref. Oh, non, mais t'es affreux. Oh, là. On va essayer de survivre, bien évidemment, mais t'es. Je pensais que je serais capable de me le faire, mais en fait, bref. Oh non, je suis vraiment déçu là. J'ai gaspillé toutes mes potions, j'ai même pas pensé pas, je le bats. Ah non. Oh non, là t'es décevant. Je sais pourquoi t'as fait ça au jeu. Ok, j'en ai aucune idée quoi t'as fait. Oh non! Là, comment tu veux-tu que je suis le boss? Bon, on va te le faire. Surtout là, j'ai vraiment gaspillé mes potions. J'ai vraiment été en gros à une personne qui était sûre d'aller le taper, de le tuer. Mais bref, je l'ai pas tué. Oh non. Je vous dis, ça ne tente vraiment pas de. Non!
Non seulement je me suis fait prendre toucher, mais je me suis dit en me faisant toucher, je me fais pas taper, mais le monstre me vole. Si je voulais dire, c'est que la main allait pas me prendre si je me faisais toucher, mais non, non, bien sûr que non. Oh là là. Je trouve ça un petit peu dommage là, que je joue de mal. Oh là là! Non! Oh non! Non, mais c'est affreux! Oh non! Hey, je suis désolé, je commence à être juste hâte de finir ce donjon-là parce que sincèrement, je le trouve vraiment dur. Et non seulement que j'ai vraiment de la misère avec les contrôles, faut te dire. Bon. Bon. Bref. Ah. Oh là là, inquiétez-vous pas, j'ai un masse de vie pour mettre. Non, en fait, j'ai pas beaucoup de vie, mais. Je devrais être capable de le faire si je niaise pas trop avec la vie. Oui. Ah non, ça c'est vraiment plate par exemple. Par contre, là, que je peux pas. On peut s'asseoir avec le. Ça. Non. Bref. Malheureusement. Je vais devoir essayer de le faire comme cela. Ils peuvent pas tomber dans un trou. Malheureusement. On les spam. On va se crever, surtout qu'il ne resterait zéro potion. Ça va revenir à la même situation que tantôt. Ah, je suis un petit peu vraiment déçu, là, faut se dire. Faut au moins voir ça à l'écran. Sinon, le feu se rend pas. D'après ce que j'ai appris. Oui, c'est pas un jeu facile. Vraiment pas. On se dit tout de suite. Oh non. Je peux même pas reprendre de vie. Au moins ici, on peut attendre un petit peu. Ouf. Ça vaut même pas la peine de se l'essayer. En tout cas, bref. Ben oui. Tantôt, je pensais pas de mourir, mais bref. Ok, il ne reste une chance de l'avoir, les amis. Non, mais on va. Alors, retourner acheter des potions qui coûtent extrêmement cher, 160 chaque pour les bleus. Au moins, ça, c'est pas pire. J'ai ça à l'infini. Oh non. Oh non! En fait, bref. Maudit bloc. Oh là là. Oh là là! Oui, le feu il a touché. Moi aussi. Aïe aïe! Il me fait toucher partout. Non! Déjà, ok, oui, reviens, reviens. Qu'est-ce que j'étais, c'est que ça change de bord à tout bout de champ. Non, non! En tout cas, ça me surprendrait, je l'avais. Bien évidemment, c'est de la bullshit. Je suis pas capable de l'avoir. Oh, wow. Ben, c'est pas de la bullshit, mais en fait. Oh, on va se le battre. Premièrement, on va retourner dans le vrai monde. Premièrement, c'est parti. On va tout refaire le trajet. Et voilà, c'est parti. On peut téléporter magique. Miraculeusement. Bon. Bref, tu veux-tu me donner de quoi? Tu veux rien me donner, bref. Ah! Désolé, je mange les raisins. Ah! Acheter des potions ça, parce que c'est les meilleurs qui redonnent la vie et de la santé. T'en as acheté 3. Et là, si je le réussis pas, cette fois-ci, c'est fini. Je vais devoir tout de remonter de l'argent. Oh là 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 là, je suis mieux de retirer là, cette fois-là parce que sinon je suis vraiment bloqué dans le jeu. Ben, je peux. C'est bon, au moins on peut reprendre un oiseau. On voyage vraiment plus rapidement et j'en suis fier. Vraiment fier, il faut se dire, ça facilite beaucoup le déplacement. Ouh, ok. Là, il faut retirer si je le retire pas. Je vous dis, j'ai plus d'argent. Ça, c'est de 1. Et de 2.
De deux, bien, j'aurai plus d'argent, il va falloir tout remonter de nouveau, ça va vraiment être long. Et oui. La raison pourquoi je tourne deux épisodes là-dessus pour ceux qui ne savent pas. Et ouais, personne pour vous dire, tout simplement. Et pour la raison pourquoi je tourne ces deux épisodes à la suite, c'est parce que lorsque je sauvegarde sur l'émulateur sur PC, on va faire ça, ça redonne des pommes. Bref, on retourne pas au début d'un donjon comparé à la vraie version. Ça fait qu'on est pris à tout recommencer, pas le jeu là, au complet, mais tellement, genre... seulement au début de Dark World, au début du Real, donc je trouve ça vraiment, mais vraiment en place. Parce que non seulement ça rallonge beaucoup quand je veux faire un let's play, mais ça c'est un détail de valeur, mais c'est pas grave, on va vivre avec, mais c'est vraiment en place pour moi. Pour ça, je vais tourner deux épisodes à la suite pour éviter de commencer au début de Dark World et surtout que là au moins je vais battre le boss, là, on va se dire, ça va. On devrait être correct. Plein de vie, voir plein de magie dans pas long. Tout va bien se dérouler, inquiétez-vous pas. Il suffit de prendre mon temps. Non, de bien jouer plutôt. Et ça se peut cet épisode-là, toi, plus courte. Bien évidemment, j'étais pris. Pas grave, on va commenter. T'es n'est qu'un détail. Au moins, on tue encore des monstres. Qu'est-ce que je trouve par contre bizarre, c'est que toutes les montres réapparaissent, ça me choque pas, mais je trouve ça dommage. On s'entend que c'est une vieille console. Ben, j'ai tué la main sans vouloir, donc ça va me donner un instant de paix, bien évidemment. On laisse les montres, on est plein de vie. Ah là là là. Meuré. Faut écouter la main quand même. Parce qu'on veut quand même pas te faire toucher par la main. Meuré, waouh. On va quand même pas te faire tuer par la main, niaisement. On va s'entendre. Ça va beaucoup mieux lorsque nous avons les pouvoirs de l'épée d'antan. Et voilà, on bouge pas, on tue tout le monde. Qu'est-ce qui est par contre que je trouve plate à date, mais plate, dommage, c'est que nous ne récupérons pas de magie lorsque nous tuons. Ben non, c'est pas ça, je me trompe. Lorsque nous tuons la main, qu'est-ce que je trouve dommage, c'est qu'elle apparaît instantanément. Donc c'est comme si nous n'aurions jamais tué enfin. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que non seulement ça peut nous gaspiller de la magie pour certaines personnes, mais ça gaspille aussi du temps. On ne pouvait juste pas la battre et pas s'en occuper. Bref. C'est pas grave. Là, j'ai toute vie. J'ai tout en fait. Bref, je suis équipé. Ça n'a pas de bon temps. Mais si ça va être des flèches, bien demain. Wouh! Et tu fais des demi-enlites! Boum! Boum! Oh non. Commande bien. Ça fait mal, pas grave. Ah là là, sérieusement. Oui, qu'est-ce que j'aime pas, c'est que les tapis bougent vraiment aléatoirement. Ah non. Ok, on va se préparer justement ici, parce que je veux pas faire comme tantôt. Surtout qu'il nous reste peu de vie. Un autre coup, je vais prendre la vie, inquiétez-vous pas. Oh yeah! C'est parti. On reprend. Là. Là, là, là. Oh, ben oui, secousse. Éteux, flamme. Hey, t'as vu quoi? Ah, va tout vous massacrer, être le pouvoir de la plume. Ça m'a même pas fait mal. Ça, c'est décevant. Oh! En fait, ça fait très mal! Waouh! C'était tout à fait simple. Wouhou! Encore de plus. Bien évidemment. Donc, il fallait utiliser le pouvoir de la flamme. J'ai jamais pensé auparavant. On aurait pu se le battre vraiment facilement. Mais ce n'est pas grave. Au moins, là, j'y ai passé. Ouf! Une chance qu'on ait récupéré tout là. Non, c'est impossible. Ouf!
Et voilà. Link, grâce à toi, je peux m'échapper des griffes de diaboliques des monstres. Merci. Connais-tu la poésie du grand cataclysme? J'en ai entendu si une personne au corps diabolique tempère de la Tifa, un héros apparaîtra et lui seul pourra affronter celui qui a provoqué le grand cataclysme. Si ce démon est détruit, le héros, rien ne pourra sauver le monde de son règne satanique. Seul un défendant des chevaliers des Rilles, défenseur du royaume de Rilles, peut devenir le héros. Le héros, plutôt. Tu es dans leur temps, n'est-ce pas alors? Tu dois sauver Zelda à tout prix. Tu as compris? Oui, j'ai tout compris. Pour pas qu'elle répète. Plus que ton chemin mène le héros à la Triforce. Oui! Ouf, je peux vous dire que c'est vraiment pas ça. Ah là là, mais pourquoi pas allons faire un tour au village Cocarico tant qu'à être ici? Bon, ouais, c'est ça. Allons faire un village. Attends, au village Cocarico. Et go, go. What? Qu'est-ce qu'il fout autour là, lui? Putain, c'est fini, on s'occupe tout. T'occuperas plus de toi, bonsoir. En fait, bref, c'est dommage qu'on doit faire tout le chemin par entour, mais c'est pas. C'est vraiment pas long, en fait, il suffit de faire cela. Je vais retourner ici. Et voilà, et on descend. On fait semblant de courir vite. Et on sort. On a gaspillé un peu de magie, c'est normal, je voulais juste pas qu'il me dérange. Bon, faudrait que je trouve au moins deux potions, peut-être qu'il serait temps d'explorer un petit peu. Mais bref, je sais même pas quand j'ai fait cet épisode. Je vous l'ai dit qu'elle serait un petit peu plus courte cet épisode. Qui risque d'être sûrement le cas. Parce que t'es fait un épisode très long auparavant, donc je vous dois un épisode plus court. Non, en fait, bref. On va essayer de la faire normale. Mais... Oh non, pourquoi je reviens ici? Je veux pas retourner au monde normal. Oh, en fait. Ok, meurs, petit fantôme. Non, en fait, bref. On est pacifié. Oh non! Ouh! Tchou! Allez, on voit au village de Cocalico, voir s'il n'y a pas de quoi. Oh non, mais mon arme favori, c'est vraiment le grappin à date, faut te dire. Et personnellement, je m'attendais vraiment pas à voir l'arme de feu dans le donjon qu'on vient de faire. Comme je sais que je suis un épisode en retard de ce que je vous dis là, pour vous, parce que moi je filme à la suite. Je m'attendais vraiment pas à ça, au moins. J'avoue, j'ai un petit peu, quasiment, un petit peu ragé. Ouais, surtout que c'était pas facile, vraiment pas du tout. Ce jeu-là est très difficile, on sait du tout. Donc bref, on va aller voir village Cocarico. On avait déjà obtenu cœur ici. Une fée bien utile. Viens à moi. Et voilà, on va la mettre dans mon flacon. Wouh! Là, on s'en vient bien équipé. Bon, c'est... Wouh! On avait déjà été ici. La seule place que je crois qu'on n'avait pas été, c'est en dedans ici. Je sais même pas si on peut rentrer. Ah oui. En fait, le bel. Ce village est dehors la loi initiée d'aller sans rubis. En fait, j'ai des rubis. Ou je les ai toutes gaspillées, je les ai toutes perdues. Dernièrement. Et... En fait, ici, je crois qu'il y a même quelque chose à faire. Parce que justement, il y a un donjon. Je vais vous le montrer. En fait, on peut pas vous le montrer ici. Oh, on a retaché les potions. Au moins. Regardez cela, donjon 4. C'est justement ici qu'il faut venir. Bizarre, hein? Mais en fait, bref, il doit... Oui. Oh, wow, cool. En fait, ça me fout carrément que tu me voles mon stuff. Faut te dire. Ça me dérange pas, mec. Mais... Ouh, un trésor. Et un autre show de Mario. Oh, justement d'argent. Oui. Bref, c'est très utile. Au moins, nous sommes pas pleins d'argent. Elle n'est pas là pour rien, mec. Ça fait très plaisir. Bon.
Et puis, je trouve ça super bizarre qu'on a. Et les abeilles, je l'ai testé pour voir qu'est-ce que t'as fait. Lorsque nous avons dans un pot des abeilles, t'as fait que l'abeille, lorsqu'on la sort de son fameux coffre, ou bien elle commence à nous aider et elle bat les monstres. Donc, j'aurais pu décider contre le monstre, bien évidemment. Évidemment. Quelque chose. Il y a quelque chose ici à faire. En tout cas, bref, ça va être tout pour cet épisode. Je vais chercher la prochaine fois. Non seulement parce que je filme deux épisodes à la suite, mais c'est parce que j'ai fait un épisode très long avant celle-ci. Donc, je vous dis surtout merci beaucoup d'avoir regardé. Et goodbye, tout le monde. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.